Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un défi qui m'a été lancé déjà il y a quelques temps. Et c'est un défi auquel j'avais déjà pensé il y a quelques temps. Bref, on parlait d'un budget, de valeur, etc., etc. Donc, c'était une discussion que j'ai eue entre pilotes, qu'on j'ai d'ailleurs plusieurs fois, en termes de valeur, de budget, combien ça coûte, combien ça vaut, la décote, etc., etc. Et il y en a un qui m'a dit qu'un kart aux alentours de 1000 euros, ça vaut que dalle et tu feras jamais rien avec. Moi j'ai dit, ok, pas de souci, je relève le défi. Je vais essayer de trouver un kart pas cher. Donc à combien, je ne sais pas, mais en tout cas pas cher. Et je vais te prouver, et je vais prouver à d'autres, parce que c'est une mentalité qui malheureusement est un peu difficile dans le kart, qu'avec un kart pas cher, avec un peu de patience, un peu de connaissances en mécanique, un minimum bien évidemment, on peut se faire un petit kart correct avec lesquels on peut faire des courses club. Évidemment, on parle pas de courses nationales ou internationales, hein, faut quand même rester réaliste, mais un kart avec lequel on peut prendre du plaisir, on peut faire des courses et avec lesquels on peut s'amuser. Bon, alors je pense que tu l'as compris plus ou moins, le kart il est là juste derrière la caméra. Alors avant, tu te tapes le jingle. Bon, ben le voilà les amis, il est là, non je rigole, c'est pas vrai. Il est là, le kart à petit budget. Alors, évidemment, on est sur une marque de châssis qui n'est pas extrêmement connue. Donc évidemment, tu l'as compris, c'est pas un CRG ou un Tony, hein. C'est un Noah, Noah Kart, avec un petit X30. Donc là, on est déjà sur un moteur un peu plus performant que le Rotax. Rotax que j'ai déjà eu, donc je sais de quoi je parle. Voilà, donc là, il est dans l'état tel quel que je l'ai acheté. Alors, il était entreposé dans un hangar avec des chevaux et des chiens. Donc, comme tu peux le voir, il est blindé de poussière. Alors, il a dû prendre un petit peu l'humidité, à mon avis. Comme on peut le voir, là, les vis un petit peu rouillées, ici. L'arbre arrière, il y a un peu de rouille dessus, mais c'est pas non plus violent. Avec un peu de papier à poncer et du dégrippant et de l'huile de coude, il revient nickel. Pour le pot, pareil. On va l'ouvrir, on va voir un peu la tête de la laine de verre qu'il y a dedans. Un coup de papier à poncer, un coup de bombe haute température noire. Et c'est parfait. Alors évidemment, c'est pas le dernier X30. Hein. Faut rester réaliste. Apparemment, ce serait un kart qui est aux alentours de 2011-2012. Précisément, j'en sais rien. Moi, je dirais 2000. Ouais, dans ces eaux-là, à peu près. Pareil pour le moteur, apparemment, d'après ce que m'a dit le proprio. Bon, on va voir ce qu'il a dans le bide. De toute façon, on va l'ouvrir ensemble, on va regarder ce qu'il y a là-dedans, donc on va essayer de faire revenir l'aluminium un peu plus joli. Il aurait apparemment une dizaine d'heures, donc bon, niveau des heures avec les propriétaires de cartes, je me méfie. Alors on va démonter, déjà j'ai déculassé, donc le cylindre a l'air ok. Le piston, s'il est toujours dans les côtes, je crois que la cote Yamé, je crois que c'est plus de 14. Si c'est 14, au-delà de 14 ou 14, il faut le remplacer. Donc s'il est en dessous, moi je le change pas. Hein. Je nettoie la calamine, je mets un segment neuf et c'est parti quoi. On va regarder si la bielle a pas du jeu. Puis on va faire un contrôle complet quoi, histoire de voir. Mais d'après lui, il tournait bien avant l'arrêt. Donc carburateur c'est pareil, on va le démonter, on va le nettoyer, on va changer tous les joints, membranes, etc., etc. En tout cas, dans l'ensemble, il a l'air plutôt bien.
juste un peu de poussière et de rouille au niveau de l'acier qui n'est pas chromé, qui n'a pas reçu de bain de chrome ou une protection. Mais les carénages sont nickel, le radiateur est nickel, juste un peu de pliure là, bon, avec un tournevis on le fait revenir. Voilà, juste un peu de poussière, un petit peu de rouille. Je pense qu'on est intervenu à temps au niveau de la rouille. Parce qu'on voit, hein, y a pas, c'est pas non plus une rouille de 15 ans. Donc ça revient assez facilement. Les durées, elles sont nickel, elles sont juste poussiéreuses. La pompe à eau, ça n'a pas l'air de gratter, à mon avis, elle est bonne aussi. Bon, ça a l'air plutôt correct. Plutôt correct, c'est un tube en 30. Alors en dessous, on va regarder vite fait. J'avais regardé aussi, mais il n'y a pas de plat. Alors il y a beaucoup d'éclats. À mon avis, qualité peinture, c'est vraiment de la daube. La daube de chez Daube. Quelques petites traces de frottement là, mais c'est vraiment pas méchant, il n'y a pas de plat. Bon, je ferai quelques petites retouches peinture, et puis si à l'occasion je le garde, ben je ferai un thermolaquage, comme je fais d'habitude. Mais il n'est pas frotté de partout. Même devant, il est même pas frotté devant. En vérité, c'est juste la peinture qui est partie. Donc ça, c'est déjà un bon point par rapport à la rigidité du châssis. Mis à part ça, franchement, nickel. Hein, en prime, un Micron 4. Voilà, qui fonctionne évidemment. La batterie était bonne. Coup de bol, je pensais qu'elle allait être morte, mais en vérité, non. Je l'ai rechargée, elle est bonne. Prête à rouler. Et puis voilà. Voilà pour le tour du kart que vous voyez un petit peu. Il est vraiment tel que je l'ai acheté. Pas plus, pas moins. Je ne l'ai même pas touché encore. Ou du moins juste pour le mettre ici, quoi. Donc avec le kart, j'ai eu le chariot. Donc c'est pas un chariot de fou furieux, mais c'est quand même un chariot. Et un lot de pièces. Des jantes supplémentaires. Des pneus neufs qui sont vieux. Alors à mon avis, ils ont dû durcir un peu. Je pense rien que déjà avec les ongles par rapport à des pneus neufs que j'ai là. Récents, je pense qu'ils ont dû durcir un peu. Mais de toute façon, on va pas les regarder pourrir. Hein. On va aller les bouffer sur la piste, hein, évidemment. Alors, c'est pas des Vega ou des Lecomte, mais ils vont être bouffés quand même. Avec deux caisses, donc un radiateur de rechange, quelques petites bricoles là, de jantes en alu, de bombes de graisse. Là, il y a des bougies pour l'hiver, pour l'été. Bon, c'est pas mal, de bougies neuves. Un volant, un bidon d'huile pour le mélange tout neuf. Il a juste un peu de poussière dessus, mais bon, impeccable. Ça fait ça d'économiser. Voilà, des couronnes, des bricoles après, hein, des durites, des courroies de rechange, de la graisse, une chaîne. Il y a tout pour rouler, quoi. Il y a tout pour réparer, même au bord de la piste, hein, quasiment. Voilà. Que demande le peuple, ma foi, c'est pas beau ça. Alors tenez-vous bien, hein, parce que ça, plus le kart et le chariot, 700 €. Et là, je défie quiconque de me trouver un X30 avec chariot et pièces à ce prix là. C'est quasi introuvable. Je le sais parce que je regarde le marché du kart depuis déjà un moment. C'est pas des affaires qu'on trouve tous les jours. Je vous l'accorde, certes. Mais on peut en trouver. Alors, plus aux alentours de 1 000 €. Maintenant, après, c'est à vous de négocier. Hein. Je ne vais pas négocier pour vous non plus. Hein. Non, je déconne. Voilà. Tout ça pour 700 balles. C'est plutôt bien. Donc, on est en dessous du budget, de 1 000 €. Ça nous laisse de quoi faire quelques petits frais dessus. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à rouler. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de ce kart défi pas cher, du kart pas cher. Et puis abonne-toi, un petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses.
bien si je me suis planté sur l'année du châssis, n'hésite pas à dire ce que tu veux. Reste courtois, évidemment. Je suis pas là pour non plus me faire insulter de partout. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Bye.